une séquence qui a particulièrement plu aux téléspectateurs. Mercredi 12 octobre 2022, Cyril Hanouna recevait Clara Morgan sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. Pour l'occasion, l'animateur a installé une barre de pole dance et a invité ses chroniqueurs à s'y essayer. Daniel Moreau s'est alors porté volontaire. Si est-ce dingue, parce que tu mets Clara Morgan à côté d'une barre comme ça, je sais que je suis dans un club de striptease. Quand je suis à côté de toi, j'ai l'impression d'être dans le métro, s'est-il exclamé, avant d'ajouter, là, on te voit comme ça, on n'imagine pas que tu vas faire un bail de ouf. Après que la chroniqueuse ait tout donné, si est Gilles Verdet qui a fait du pole dance, avant de laisser sa place à Benjamin Castaldi, Bernard Montiel, Raymond Abou et Valérie Benaïm. Sur le plateau, ils étaient nombreux à attendre que Delphine Vespizer se mette à la barre. On a fait tout ça pour voir Delphine danser. Je vais pas mentir, les autres, je m'en foutais un peu, a glissé l'animateur. Après Géraldine Maillet et Guillaume Janton, l'ex Miss France est entrée en scène. Dans un legging en cuir noir et un crop top, la jeune femme a tout donné sur le titre physical de Dua Lipa. À l'aise, Delphine Vespizer a multiplié les poses. Admiratif, Cyril Hanouna a lâché, elle sait tout faire, avant d'assurer qu'elle avait été bien meilleure que ses petits camarades. Elle pourrait le refaire parce que c'était un peu court, a proposé Bernard Montiel. Après sa prestation, la jeune femme, fraîchement célibataire, a assuré n'avoir jamais fait avant, ce qui a provoqué l'admiration de l'animateur. Il faut enrouler avec le pied et voilà, s'est-elle exclamée. Les internautes sous le charme sur Twitter, la séquence a fait sensation. Fans de la performance Delphine Vespizer, ils ont en effet écrit. Elle est magnifique, pas mal, j'avoue, bravo Delphine, je l'adore, si est-y vraiment la meilleure, mais aussi, Delphine a toujours la classe et l'élégance dans n'importe quelle situation. Un peu plus tard, c'est Clara Morgan qui a fait le show en interprétant en direct sa nouvelle chanson, Travesti, entourée de ses danseuses.